Ça va, je te dérange pas. T'as pas l'impression d'être en plein milieu de mon studio, je te dérange pas. T'as pas l'impression de prendre toute la place. J'ai aucun scrupule. Non mais c'est une malade, elle. Eh, c'est une malade, elle se croit tout permis, hein. Regarde, elle me regarde, comment elle me juge. C'est incroyable comment elle me juge. Un peu de pudeur, un peu d'achemin, un peu de honte. Ce chien, elle est insolente, je vous jure, elle est insolente. Vous croyez qu'elle se dit quoi là actuellement dans son cerveau, les gars? En vrai, j'aimerais trop savoir ce qui se passe dans le cerveau d'un chien, les gars. Ça doit être trop intéressant. Il s'en passe des choses dans le cerveau, les gars. Le cerveau, ça restera quand même un des trucs les plus mystérieux de la vie. Et justement les gars, ça tombe bien parce que dans cette vidéo on va mettre notre cerveau à rude épreuve. On va faire un test les gars que vous avez peut-être déjà vu dans la dernière vidéo de Joyka. Il a déjà fait une vidéo sur ce test les gars, et c'est d'ailleurs grâce à sa vidéo que j'ai découvert le test. Et je me suis dit oh c'est grave stylé, j'ai trop envie de tester aussi. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on va tester le test. Attends, je viens de m'en rendre compte de ma phrase. Aujourd'hui on va tester le test. Frère vas-y, je fais pas d'effort là. Non mais quand je tourne cette vidéo il est 11h, moi j'ai pas l'habitude hein. 11h je peux vous dire, pour moi c'est vraiment très matinal, tu vois. Genre d'habitude je me lève à midi, donc là normalement je suis en train de dormir, j'ai du mal. Non mais du coup en vrai il y a déjà Joyka qui a fait ce test, si vous avez pas vu la vidéo n'hésitez pas à aller la voir. J'avais envie de le tester aussi les gars, du coup on va le faire un petit peu à notre sauce aujourd'hui. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit les gars, je pense qu'on est prêt, on peut y aller. C'est parti, get started. Reaction time test. When the red box turns green, click as quickly as you can. En tout cas j'espère qu'il n'y a pas un test sur l'accent anglais, sinon ça va pas le faire. Pour vous expliquer quand même très rapidement c'est quoi le test les gars, c'est très simple. C'est un site internet avec plein de petites épreuves. Genre par exemple là la première épreuve c'est temps de réaction, on va tester nos réflexes, tu vois ce que je veux dire. Et forcément il y a plein de gens qui ont fait le test sur le site. Et du coup on a des petites statistiques les gars, on a la moyenne de ce que les gens font en général, ce qui va nous permettre de nous situer, savoir si on est un bon humain ou pas. C'est à dire si t'es sous la moyenne t'es une merde. T'es une merde. Non mais c'est faux évidemment, tu peux être sous la moyenne et être le boss, tu vois. J'essaye de me rassurer au cas où si je suis sous la moyenne. Mais voilà, comme vous savez, la génération de nos jours, ils aiment se comparer et tout. Et puis bah comme je fais partie de cette génération, je vais me comparer hein. Pourquoi je fais l'ancien en fait? On a un petit texte qui nous explique bien en quoi le test consiste, etc. Mais je veux pas le lire parce que c'est de l'anglais et bah je parle pas très bien anglais. Bref les frérots, j'arrête de parler, on est parti pour de bon. Le premier test, test du temps de réaction. C'est très simple. L'écran va être rouge. Dès que ça passe au vert, je dois cliquer le plus rapidement possible pour tester mon temps de réaction. En moyenne, les gens font 225 millisecondes. Si on fait moins que 225 millisecondes, on est au-dessus de la moyenne, les gars. Moi, mon objectif, c'est, tu vois là, il y a personne qui a fait 100 millisecondes. Moi, je veux que ce soit moi. C'est parti. Oh putain. Ah oui, je suis là. Ah ouais, donc je suis dans la mauvaise moyenne. Aïe 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 aïe. C'est pas fini les gars, ça on doit le faire 5 fois parce que non mais là c'est le matin, tu vois, je suis pas encore très bien réveillé, c'est tranquille. Allez, c'est parti. Oh, 218, j'ai battu 225 déjà. J'ai battu 225. Allez. 217, j'ai baissé 1 milliseconde. Mais putain, mais d'où? Mais comment? Mais comment ils font les gens qui font 125 millisecondes, frère? Mais c'est de la chance, c'est pas possible. Allez, c'est mon dernier, les gars, c'est mon dernier. Faut que je fasse en dessous de 200. Mais putain, mais vas-y, mais là, je suis clairement au-dessus de la moyenne. J'ai une moyenne de 232, du coup. Sachant que la vraie moyenne, c'était 225. Donc, je suis un peu en dessous de la moyenne, quoi. Non, mais c'est pas grave, les gars. Je suis fier de moi, quoi qu'il arrive. Yes, yes. Je vous le dis, j'ai le seum. Bon, tiens, un truc super intéressant, ça s'appelle le test des chimpanzés. Parce qu'en gros, ils ont déjà fait passer ce test à des chimpanzés. Et dans les études qu'ils ont fait, les chimpanzés, 90% du temps, ils arrivaient à se souvenir de 9 chiffres, les gars. Donc en vrai, les chimpanzés dans les stats, ils se placent ici, frérot. Hein. Ils sont bien placés, les chimpanzés. Hein. Les gars, franchement, il faut qu'on essaye de battre 9. Si on bat 9, je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube, d'accord, les gars. Si on bat 9, vous vous abonnez, vous mettez un pouce bleu. Obligé, les gars. Allez, c'est parti. Alors en gros, attendez, je vais essayer de vous traduire ça. Cliquez sur les carrés dans l'ordre en fonction de leur nombre. Voilà, ça veut dire ça. Le test deviendra progressivement plus difficile. Merci Google Traduction. Une ordre. Oh non. J'ai tout supprimé. Non, en vrai, les gars, ce test, pour vous l'expliquer, ça va être très simple. Il va y avoir plein de carrés avec des nombres. 1, 2, 3. Et les numéros sur les carrés vont disparaître, mais je vais devoir me souvenir de l'ordre. 1, 2, 3. Alors, la moyenne, c'est 10 points. La moyenne, c'est 10 points, les gars. Donc, notre but, c'est de faire plus que 10 points. On doit faire plus cette fois-ci. On doit faire plus que 10 points, les gars. Et ben, c'est parti. Start test. Ok. 1, 2, 3, 4. Dès que je clique sur le 1, ça lance le truc. 1,
2, 3, 4. Bah non, mais là, c'était facile, hein. Ça a même pas disparu, gros. Ok, bon, c'est les premières épreuves, les gars. 1, 2, 3, 4, 5. 1, A, 2, 3, 4, 5. Ok, vous avez capté. Vous avez compris le but du truc. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Oh, attends, ça devient compliqué, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5... Hein ? Je suis sûr de moi, gros. Je suis sûr de moi, là. Je suis sûr de moi, là. Je me concentre vraiment. Yes ! Yes ! Allez, les gars, 8. Let's go, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, celui-là, ça le fait. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Let's go les gars, 9 points. Je suis meilleur qu'un chimpanzé, je suis meilleur qu'un chimpanzé. Allez, je compte sur vous, vous abonnez, vous mettez le pouce bleu. Vous êtes obligés là, vous êtes obligés. Allez, ça fait plaisir, merci les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pff, je suis un monstre. Ah oui, on a le droit à 3 erreurs. Au bout de 3 erreurs, j'aurai perdu et on aura mon score. Celle-là, faut qu'on la réussisse et on est dans la moyenne déjà. C'est déjà très bien. Attends, mais là, c'est beaucoup trop, frère. Attends, mais ça devient super compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pff, je suis un monstre. Check la Yuki. Check. Oui, c'est bien, mon chien. Let's go. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Ça va être compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Merde. Non. Aïe, 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 aïe. J'ai plus le droit à l'erreur là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeah. Ah, je suis content. Numéro 12. Oh là 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 là. Celui-là, ça va, là, ça va commencer à être vraiment technique, hein. Oh putain de merde. Il y en a beaucoup là. Il y a beaucoup trop de carrés, frère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh, 13, je suis déjà très très bien, les gars. Attendez, si on arrive à faire 14, là, on est vraiment dans la moyenne monstrueuse. Continue. Oh là 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 là, c'est quoi ce charabia là? Je... Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh là 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 là! Mais oui, gros! Allez, on continue. Oh là là, j'abandonne. Mais non, mais gros, là, j'abandonne, frère, je sais trop. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh non, je suis perdu. 10, 11, 12, 13, 14, 8, 9, 10. Je l'avais dit, le 10, 11, 12, 13, 14. Oh non. Bon, score 14, les gars. Et score 14, regardez. On est là, hein. J'aurais pu faire score 15. Putain, j'étais à ça. Non, franchement, je suis content, les gars. Je pensais pas aller aussi loin, hein. Je pensais pas faire 14, hein. Déjà, quand j'ai fait la première erreur à 7, je me suis dit ça va être compliqué. Prochain test, IM Trainer. Tirez sur les 30 cibles le plus rapidement que vous pouvez. Les joueurs pro Fortnite, si vous voulez vous entraîner, c'est sur ce site qu'il faut le faire. J'ai envie de vous dire, c'est parti. J'ai pas la bonne sensi, j'ai pas la bonne sensi aussi, c'est compliqué. Je dis de la merde, les gars. 471 000, j'ai même pas regardé la moyenne. J'ai fait 471, je sais pas si c'est bien. J'en ai aucune idée. La moyenne, c'est 450. Ah merde, 471, les gars. Je suis là, donc je suis dans la moyenne lente. Je veux le refaire parce que je sais que je peux faire beaucoup mieux. J'étais pas à fond, les gars. C'est parti. Ah, j'ai fait un petit peu mieux. Mais en vrai, je reste lent, sachant que normalement, faut le faire qu'une fois. En vrai, les gars, j'ai un peu triché. 445. Je suis là, les gars. 445. Je suis en chouïa au-dessus de la moyenne. Et encore, je l'ai refait. Donc, ça compte pas vraiment. Ok, prochain test, les gars. Je sais c'est quoi. En gros, on va avoir un son dans nos oreilles. D'ailleurs, il va falloir que je mette le casque. Je vais avoir un son dans mes oreilles qui va être de moins en moins aigu. Sauf que vous savez, quand c'est très très aigu, c'est comme les ultrasons. C'est-à-dire qu'il y a que certaines personnes qui vont l'entendre. Par exemple, tu vois, en vieillissant, t'entends un peu moins bien. Et bah, il y a des ultrasons sont ultra aigus, à partir d'un certain âge tu vas plus les entendre, mais c'est vraiment un petit bruit, tu vois, c'est un... Là, en gros, le test, c'est très simple. Dès que j'entends un son, je clique. Si j'entends pas de son, je clique pas. Attention, c'est parti. Ouais, j'entends rien du tout. Ah,
Ok, là j'ai entendu les gars, il y a eu un petit bruit là. 17 360 Hz, on va regarder la moyenne des gens, ils sont où à peu près? Ah ouais, je suis pas chaud, attendez. Ici les gars, c'est ici. C'est pas un score de fou, je suis carrément en dessous de la moyenne frère. Mais attends, mais c'est pas normal, pourtant je suis jeune gros. Pour l'instant, le seul test que j'ai vraiment bien réussi, c'est le test des chimpanzés, hein. Sinon je suis une merde. Prochain test les gars, typing, c'est quoi? Play, c'est parti. Ok les gars, je vais devoir écrire le plus rapidement possible. Là j'ai un texte devant mes yeux, il va falloir que j'écrive le plus vite possible. Mais je vais pas y arriver, c'est de l'anglais gros. Ah ouais, c'est à dire que là en plus je vais devoir écrire des mots que je comprends vraiment pas. Au pire si j'y arrive vraiment pas les gars, on fera le test en français. Il y a des sites français qui font ça, donc on fera le test. Ok, c'est parti les gars. It was a smart little Lando. Other side. J'écris 55 mots par minute. Ok, je sais pas du tout si c'est un bon score les gars. Attendez, on va regarder, 55. Oh ça va, 55, je suis là les gars. Bah je m'en sors bien en vrai. Putain, il y a des gens, ils écrivent 130 mots par minute. Frère, c'est quoi? Mais gros, les mecs ils ont 20 doigts en fait, c'est pas possible gros. Ils ont un doigt pour chaque touche du clavier frère. C'est quoi les bails? On va faire le test en français les gars. J'ai une minute pour faire le plus de mots. Du coup ça va nous donner notre moyenne de mots par minute. Et on va voir si j'y arrive mieux. Je pense qu'en français je devrais mieux y arriver les gars. C'est parti. Passez-vous. Ok, 75 mots par minute. Oh là 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 là. Ça doit être pas mal là. Attendez. Oh, je suis dans le top 20%. En tout cas, sur ce site là, je suis dans les 20% des meilleurs. Ok, prochain test, c'est parti. Mémoire verbale. Ok, ce test les gars, en gros, on va avoir un mot qui va nous être affiché à l'écran. On va devoir dire s'il est nouveau ou si je l'ai déjà vu. Donc forcément, le premier mot, bah, il pourra être que nouveau parce que je pourrais pas l'avoir déjà vu. Sachant qu'on est dans le test les gars, si le mot c'est carotte, forcément carotte, j'ai déjà vu ce mot. Mais si je l'ai jamais vu dans le test, je mets que je l'ai jamais vu. Pour être bien, faut qu'on fasse 60 points. Ah ouais. Allez, on va prouver au monde entier que j'ai une bonne mémoire, les gars. C'est parti. Start. Ok. Jeep. Donc Jeep, je l'ai jamais vu. Wanderers. Nouveau. Jeep, je l'ai déjà vu. Wanderers, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Dinguette, déjà vu. Political. Nouveau. Mugged. Oh putain de merde, je crois que je l'ai déjà vu. Déjà vu. Oh non! Non, je suis nul! 38! Oh non, 38, je suis... Oh non, je suis naze! Try again, je m'en fous. Let's go, les gars, notre mémoire est prête, c'est parti. Defectively. Donc forcément, là, les gars, c'est nouveau. Dourness. Déjà vu. Nouveau. Oh non! 39 mots! Vas-y, on va retester une dernière fois. On va retester. Ensilage. Ok, donc là, forcément, les gars, c'est un mot qu'on n'a jamais vu. Donc, nouveau. Viréo. Nouveau. Radials. Nouveau. Ensilage. On a déjà vu. Donc, on met vu. Ask. Nouveau. Ensilage. Quoi? Je l'avais déjà vu! Eh, hey, gros! Je suis con ou quoi? 11 mots. Ah oui, donc là je suis vraiment con. Attendez, je vais refaire le test une fois quand même pour me rassurer là parce que je suis en train de douter de moi-même là. Cabinet maker, nouveau. Ratiocinating. Je crois que j'ai déjà vu. Oh non! 41, je suis là. Voilà, 41 c'est déjà mieux, ça me va. Ça me va 41. Save score, verbal memory 49,3%. Voilà, je suis un chouïa en dessous de la moyenne mais ça va. La mémoire des nombres, prochain test. C'est parti. On va avoir plein de nombres, on va avoir un certain temps pour les retenir et va falloir les retaper. Ok, c'est parti. 3. Bon bah là, 3, facile. Ok, attendez, la moyenne c'est où les gars? Faut battre 9 points. Ok, prochain niveau, 51. Allez, prochain niveau. 74, 35, 58, 88, 192. 74, 35, 58, 88, 192. 74, 35, 58, 88, 192. 74, 35, 58, 88, 192. Oh non. Comment j'ai pu me tromper au deuxième chiffre? Je suis con ou quoi? Level 11, je suis là. Bon, ça va. Les gars, level 11, c'est un bon score en vrai. C'est un bon score. Oh bah oui! 85,6%, mais on est bien. Attends, mais en vrai, pourquoi j'ai encore le casque là? Attends, mais depuis tout à l'heure, j'ai le casque alors que j'en ai pas besoin. Prochain test, les petits potes, la mémoire visuelle. Ça, normalement, je suis très chaud. La mémoire visuelle. Alors là, on peut pas, mais on peut pas me tester. C'est faux. J'en sais rien en fait. Ok, si on veut battre la moyenne, faut battre 10. Mémorise les carrés. Ok, c'est parti. Ah, c'est ça. Oh, c'est trop bien ça. J'adore ce genre de jeu.
Ok, ça va commencer à devenir chaud, hein. Ça va commencer à devenir chaud là, les gars. Mec, j'ai même pas le temps de retenir, gros. Oh non, j'ai perdu. Aïe, 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 level 15. Mec, c'est trop dur. C'est... En vrai, c'est trop bien. Ça, c'est... Franchement, c'est mon jeu préféré. Ok, level... Oh, mais 15. Oh oui. Je vous l'avais dit ou pas? Mémoire visuelle. Je suis un monstre. Mémoire visuelle 96,3% les gars. C'est mon classement général. Et bah franchement je suis content. Les gars, le site sera dans la description si vous voulez faire le test et vous tester pour vous comparer à moi ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à m'envoyer vos screens de ça à la fin les gars, que ce soit sur Twitter, Insta ou quoi. Et voilà, c'est carré. Il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est que malgré qu'on a fait ces tests là qui nous permettent un petit peu de nous situer parmi les autres gens et tout, il n'y a pas eu de vrai test d'intelligence. C'est pour ça qu'on va se terminer cette vidéo sur un petit test de QI. Ça fait pas mal de temps que j'ai envie de faire un test de QI parce que en ce moment j'ai l'impression d'être vraiment con, j'ai l'impression d'être vraiment débile et j'ai envie de me rassurer en me disant mais non c'est pas possible, je suis pas si con que ça, tu vois, genre c'est... Voilà, j'ai envie de me tester les gars, on va tester mon QI. On va prendre un test de QI totalement au hasard, on va prendre le 5. Allez voilà, c'est parti, test de QI 5. Quel mot ne va pas avec les autres par rapport au sens des mots? Écraser, caresser, toucher, tâter. Bah écraser frère. Quel mot a le sens le plus proche de pacte? Paix, fin, signature, traité. Oh c'est chaud, signature ou traité les gars? Ouais, un traité, c'est un pack. Quel nombre doit compléter la série? 9, 14, 13, 18, 17. Attends, 9 plus 5, 14. 13 plus 5, 18. Donc moins 1, 17. Donc là c'est plus 5, donc c'est 22. Trouvez le mot qui convient le mieux. Haricot est à nanana, ce que nanana est à espoir. Quoi? Vas-y, je comprends rien frère. Incision est à bistouri. C'est quoi ces mots? C'est quoi ces... Les gars, je vais avoir un QI négatif, c'est sûr. Quelle est la figure différente des autres? Bah ouais, mais elles sont toutes différentes, frère. Bah là, il n'y a qu'un bouton. Allez, hop, ça dégage. Attention, les gars, c'est l'heure du résultat. Là, on va savoir mon QI officiel. Attendez, attendez, on va regarder un truc. Moyenne de QI en France. 90 à 110. Moyenne normale. Ok. On vise... Franchement, je vise la moyenne, non? On vise la moyenne, les gars. J'accède à mon résultat. J'ai 136 de QI moi. Non mais arrête. Attends, attends, mais c'est... Attends, attends, mais gros, c'est pas possible. Mais j'ai pas 136 de QI moi. Il y a un problème. 130 et plus, très supérieur. Voilà, non mais moi je suis très supérieur. Voilà, je suis très supérieur à la moyenne. Ton maître, il a 136 de QI. Tu le crois ça ou pas? Les gars, les gars, les gars, au-dessus de 140, génie ou presque génie. Eh les gars, je suis presque un presque génie. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre personne me dire que je suis bête. Bref les petits potes, on en a terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors bien évidemment les gars, tous les tests et tout, c'est un petit peu n'importe quoi. Tu sais, c'est des sites internet, c'est pas ça qui va me dire que j'ai 136 de QI, tu vois. Je pense que si je serais intelligent, ça se saurait. Ça se saurait gros. Bref les petits potes, moi je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, vous abonner à la chaîne si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao les potes. Mouah.